4h du matin, donc la canalisation principale qui passe sur la Nationale 7 à Essonne, près de la rue Saint-Louis, a craqué une fissure qui s'est matérialisée par un geyser et un soulèvement de chaussée. Ce geyser, donc, comme il s'agit d'une des alimentations principales, en tout cas qui relie l'usine des eaux, l'usine de production des eaux au château d'eau du lycée de Corbeil-Essonne, donc qui traverse toute la ville, eh bien, la conséquence a été que l'Ermitage et le quartier de la rue Georges-Ledoux ont été privés d'eau dès 5h du matin. Est-ce qu'on peut parler d'un lien avec le problème rencontré aux Tarterets à peu près au même moment? Alors difficile à dire parce que la ville est grande et que il peut y avoir des coïncidences, mais néanmoins la remise en pression du réseau à la suite de l'incident des Tarterets, donc un incident du même ordre, une canalisation fissurée, une canalisation principale fissurée, peut laisser supposer qu'il y a corrélation. Combien de temps va durer l'intervention de la S2A? Alors on voit là le professionnalisme de notre délégataire, puisqu'il intervient donc dans la matinée. On peut penser que vers midi, aujourd'hui, la canalisation sera remise en état, remise en fonction, et que le quartier qui actuellement est privé d'eau sera réalimenté normalement. Ça a été le cas pour les Tarterets hier, puisque l'alimentation a été remise en état provisoirement par le biais de dérivation, a été remise en eau vers 22h hier soir. Combien de foyers actuellement privés d'eau? Bon, je dirais 200 à 300 foyers privés d'eau pour l'Ermitage et le quartier de Georges-Ledoux. Merci.